Production, Television, un média communautaire et commercial. Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, cause et santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network. Zami telespektatè nou salye, on ap di ou byenvenu nan ambyans kulturel avèk Carmel. Sou ap gade m la ou nan Haiti TV. Nou kontan chak semèn pou nou prezante ou chou sa. Jounen jodi a, nou pral pale ou nan nouvèl kulturel nou, gen de Haïtien ki sou lis de finalis nan ou Grand Prix de Théâtre de Radio France Internationale. Pi devan ap vin a plus detay pou ou sou evenman sa. Nan dezyèm pati a, ti souf pou Haïti. Gros marche international qui t'est dérapé avec les Haïtiens qui t'a marché pour ba Haïti on souffre. Caméra nous t'est là, n'a vina plus détail. N'a pompose tout côte, n'a tourné talé. Publicité c'est premier coup de guidon, tout business doit faire pour continuer exister. Qui t'est un business qui fait que l'ouvrir, qui t'est un business qui l'a des pics dans le temps, qui t'est un produit, yon service ou bien yon événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Ropi Production Television Network. Relez 954 729 2214 jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Ropi Production Television Network gagne des émissions tous les jours sur différents plateforme locale, nationale et internationale. Fais publicité pour business ou kalache. Nous contents, amis téléspectateurs, là, toujours là ensemble avec nous, toujours branchés, ou même quand vous regardez nous là, Nabdjo ou sous ambiance culturelle avec Carmel ou sous Haïti TV, sous fait brancher. Et puis Nabdjo, bienvenue dans la nouvelle culturelle. Nous, côté nous parlons de deux Haïtiens qui soulise pour remporter prix théâtre 2023, mes amis, Radio France Internationale. Ou puis, il y a un détail là. En effet, amis téléspectateurs, deux jeunes écrivains haïtiens soulise pour capable de décrocher le prix Radio France Internationale Théâtre pour l'année 2023. Il s'agit de Stéphanie François et Rolafton Mercure qui vivaient sélectionnés respectivement pour leurs textes Fifi, Les Tambours et les Étoiles et Pandémonium au Grand Prix RFI Théâtre 2023. Dans sa pièce Fifi, Les Tambours et les Étoiles, Stéphanie François a raconté l'histoire de Fifi qui a vécu pour continent Kylie et côté que l'a fait face à toute qualité situation. Pour Radio France Internationale, le texte de Stéphanie François décrit un récit de résistance et d'espoir face à la situation que le pays d'Haïti a vécu depuis quelques temps. Par côté Pali, Rolafton Mercure décrit dans sa pièce Pandémonium l'histoire de cinq prisonniers qui ferment dans le pénitencier national et qui ont fait plan pour être capable d'évader. Le nom du lauréat ou de la lauréate du prix RFI Théâtre 2023 sera annoncé le dimanche 24 septembre prochain. Et le prix sera remis en Europe dans le cadre du festival Zébrure d'automne qui pral gagner pour le fête dans le moment ça. N'a pas signalé que la dernière personne en date à avoir remporté le prix RFI Théâtre 2022, c'était Gaël Bien-Aimé qui était remporté pour pièce que t'es écrit qui portait nom pour au prince et sa douce nuit. L'important pour nous ajouter que ces 12 textes écrivés sélectionnés parmi ces deux jeunes écrivains haïtiens, c'est 135 textes qui étaient au total soumettés au comité et ceci dans 25 pays du monde. Non pas M. Woupi pour RP TV. Woupi Video Production Services paraît pour le bord 4 services pour le prix d'un seul.
1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autres festivités. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian, Rupi Video Productions, Caboy, un service 4x4 qui pape la gonne en route. 973-517-6308 ou bien 954-729-2214. Prix abordable, la caméra au féminin, image et sonorisation au pluriel. Bienvenue dans Panorama Social, amis téléspectateurs, un segment qui dans ambiance culturelle, nous pote nouvelles sociales yo pou. Jounen jodi a nou pral fò viv tout sa k te pase sou pou Ayiti, te organize un manche mondial ki te fèt nan pil peyi dan le monde en même temps, sa très important. Et bien ou pite la, nou Florida nou ye, nou te an dan manifestation, nou t'ap viv tout sa k te pase, nou t'ap pale a moun. Et bien gade pou kote sa k te pase. An suivan sa. Lancé par le révérend pasteur Grégory Toussaint, la marche mondiale baptisée Souffle pour Haïti s'est déroulée comme prévu le dimanche 9 juillet 2023 dans plusieurs pays du monde, y inclut pays d'Haïti. Pour réaliser un tel événement, organisateur est arrivé dépenser près de 1 million de dollars américains. C'est ça que déclarait pasteur Grégory Toussaint dans l'émission Le Point sur Télémétropole 24 temps après manifestation. À la tête, l'église Shekinah, révérend pasteur Grégory Toussaint, te fait connaître que la marche mondiale, sauf pour Haïti, t'a coûté environ 1 million de dollars américains. Il prend comme exemple 200 000 maillots à 3 dollars. Déjà, ça bat une idée de valer l'argent qui dépensait. Sans compter chat musical qui t'est déplacé avec la police aux États-Unis et d'autres pays du monde qui ont été obligés de payer pour être capable de sécurité puisque c'était une initiative privée. C'est ça que ajouté révérend pasteur Grégory Toussaint. N'a pas signalé que pasteur a dirigé 47 l'église un peu partout dans le monde et il fait connaître que c'est la grande famille Shekinah, radio, télévision avec l'église qui t'est financé entièrement cette initiative. Nous-mêmes dans Rupi Production Television Network, nous t'es présents dans marche mondiale qui t'est faite dans ville North Miami. Nous pourrons faire vivre comment ça t'est et puis nous pourrons également faire suivre des interviews que nous t'es réalisées sur le vif dans le cadre marche mondiale Souffle pour Haïti dimanche 9 juillet passé. Bon, ça que nous avons une manifestation aujourd'hui à son façon que nous avons besoin d'Haïti de libérer en bas gang ça qui manipule le pays, qui bloque toute situation malheureuse. Malheureux pas qu'à vivre, yo pas qu'à manger, yo pas qu'à quitter caillou, tout caillou quitter caillou pour aller dans l'autre pays pour vivre. Au cap vient tout notre petit ballon, c'est mal vient tout notre petit ballon tellement il y a monde, nous ne vient pas qu'à supporter dans Port-au-Prince. Nous besoin comme si que pour nous faire une majorité qui a solidarité de tout haïtien capable pour nous tout camper jump pour nous voir comment nous ca sauver pays nous. Mes amis, encore les finances, nous besoin de notre justice encore pour le président Jovenel Moïse. Nous avons assassiné mal, nous besoin de justice pour lui. Nous besoin que pour nous puissions arrêter tout nègre des bourgeois qui ont manipulé le pays, tout politicien qui a manipulé le pays, toutes les gangs qui ont manipulé le pays. C'est pour nous bâtir une chance. Nous ne sommes pas qu'à vivre, nous ne sommes pas qu'à vivre, nous ne sommes pas qu'à marcher, nous ne sommes pas qu'à rien. Nous demandons la libération pour tout le monde qui a souffert dans le pays. Merci. Je demande justice pour Jovenel Moïse. Justice pour Haïti. Parce que son président nous a gagné qui a restauré le pays. Son président nous a gagné qui a fait payer ensemble le pays, tout le pays. Son président nous a gagné qui a gagné l'idée pour le pays. Je demande justice pour Jovenel Moïse. Et je demande tout pour toute l'autre nation, tout l'autre pays. Yo. Si vous attendez si Ariel non complot Jovenel Moïse. Parce que yo encadré Ariel. Yo encadré Ariel dans tout bagay. C'est yo fait Ariel là toujours. Ariel était notre Jovenel tout oui. OK, raison qui fait nous marcher jodi a, nous gen 4 générations qui marcher là, maman, petite. C'est parce que nous voulons changement, nous prêt pour changement et nous quoi bon Dieu a fait nous ouais un autre Haïti. Nous endurer souffrance, nous witness toute souffrance Haïti. Un peuple haïtien a passé, mais qu'on y a nous, bon Dieu, voulait dire un mot et nous voulait faire partie de changement ça. Pour moi, dehors depuis en 98, m'quitter Tétimoun,
en bas yo chaque grand petit fil pour yo bon Dieu fait yo ba yo approuvé besoin pour moi joindre lettre pour yo rentrer ici venir joindre moi now OK pour ça m'a marché moi marché tout pour Haïti délibéré pour Haïti pour toute bagaille débloqué pour OK pour Haïti on parler pour Haïti délibéré pour tout le monde ka vive à l'aise on veut ça avec on veut ouais petite moi avant mourir parce que depuis en 98 moi dehors m'pa ouais famille moi c'est Jésus qui famille moi m'a salué la voix de l'Amérique c'est un plaisir aujourd'hui hein, pour nous depuis dans Miami pour nous accorder l'interview ça dans occasion spéciale ça côté que Bishop Grégory Toussaint avec toute administration Shekinah te prend initiative ça pour aujourd'hui son journée mondiale pour haïtiens mettre corps dehors pour yo faire voix au passé. Nous connaissons pays en gain 5 ans plus gain plusieurs années là depuis pays en non situation difficile. Et c'est nous mêmes haïtiens qui pour mettre tête ensemble pour nous sauver tête nous. C'est le peuple là qui ca sauver peuple là. Jodi an, message moi gain clair. Nous pas là pour nous craser, pour nous briser, nous pas là pour nous pour nous reler à bas. Mais un message clair. Un message clair nous porter, c'est que autorité yo. Autorité haïtien qui concerné yo. Zanana Coupingouin. Après Macha, pas grand rien qui dit nous Macha, c'est lui-même qui pral fan rien qui pral délivrer, mais n'a marché. N'a marché pour nous faire le monde entier connait nous c'est haïtien. Et haïtien, les nous mettre tête nous ensemble, nous ka faire un pile bagaille. Message à clair. Haïtien, que ou c'est dans secteur protestant ou dans quel que soit côtoyer jodiant en nous mettre tête nous ensemble, en nous comprendre raison qui fait nous dehors. Nous pas dehors pour nous faire chelbe, nous pas dehors pour mais nous dehors jodiant marche ça veut dire un paquet de bagaille. 68 pays qui a organisé. Jodiant haïtien en vont signal clair ba autorité haïtienne yo ni internationale là pour nous faire nous connaître. Nous c'est haïtien, l'union fait la force. Ensemble c'est nous-mêmes qui pour changer pays nous. Merci la voix de l'Amérique. Non pas monsieur Richard Mathurin, Haïti Média Connexion. Haïti pas qu'à nous cacher. Haïtien, c'est pour nous lier. Haïtien, tout côté, lever campé, main en main, épaule à épaule, n'a pas foncé,
parce qu'il faut que petit nous à l'école. Haïti, suspend, fait peuple à souffrir, mes amis. Justice pour Haïti. Budget distance. Bonsoir, nous saluons la voix de l'Amérique. Moi, c'est docteur Tony Roméus. Moi, c'est un médecin haïtien qui forme l'hôpital général. Nous venons en marche aujourd'hui à Miami pour nous supporter le mouvement ça que Tabernacle de Gloire a fait pour contrecarrer, pour bataille, pour demander justice pour diaspora haïtienne, pour peuple haïtien qui bataille avec gang violence. Gang violence là, insupportable. Nous t'es forcé pour nous quitter le pays, nous t'es forcé nous quitter le pays parce que c'est un pays qui est invivable. Moi t'ai fait résidence moi au Cap Haïtien, moi fait médecine en Haïti dans l'hôpital général, on l'hôpital qui pas gain rien pour desservir en population. Majorité médecins haïtiens, yo dans diaspora, yo pas travail en tant que médecin. Majorité, moi dis la grande majorité. We are here to support the Haitian people. The Haitian people needs to be free from gangs violence. I am a foreign educated physician from Haiti. We need peace. We need peace. We demand Congress to act in favor of Haiti. Thank you so much. Je suis un médecin haïtien qui a été forcé de quitter son pays. Je suis le docteur Tony Roméus et je demande justice pour les Haïtiens. Merci la Voix de l'Amérique. Justice pour Haïti. Moi, c'est Théo Vamilfort pour la Voix de Sans Voix et Allié. Et yon leader. Et qui a émergé dans la question de solution durable par rapport à ce qu'a fait en Haïti. Nous remarquons qu'en Haïti, pas de gain mobilisation. Tout le monde a dit qu'Ariel n'a pas de opposition en face. Et pas de mobilisation de nous-mêmes depuis 2 juin dans Okaï. Et nous levons campé pour nous dire que ce qui a passé en Haïti, nous n'avons pas d'accord. Et, mais ça, plus important, ce n'est pas seulement mobilisation. Ce n'est pas seulement mobilisation, mais c'est d'abord ça a une solution durable pour nous arriver à déboucher sur ça a une crise que nous connaissons là pour nous ne pas connaître encore. Parce que depuis 1843, 39 ans après l'indépendance d'Haïti, nous connaissons crise ça. Mais à chaque fois que crise ça a présenté, ça arrive, c'est que un groupe de monde qui va pouvoir n'importe qui gens, il a refait même ça a critiqué et puis on continue à Haïti dans ça nous aujourd'hui là. Maintenant, face à cette crise systémique, il faut que nous rentrions dans une dynamique côté que pour nous la solution durable. La solution durable que nous avons pour Haïti, c'est ça la décentralisation. Pour que l'État présent dans toutes ces communales, pour l'État présent dans toutes ces communes, pour l'État présent dans tous les départements, pour nous avoir une assemblée sous-communale, assemblée communale, assemblée départementale, pour nous entrer dans cette assemblée interdépartementale. Mais je dis à là, dans Miami, ce qu'a fait là, ce n'est pas que nous louons, nous comptons que le fait, côté que nous faisons ça une réunion familiale, tout haïtien connecté pour nous faire ça, ça fait aujourd'hui à la. Ce fait, ces gens de l'initiative qui continuent pour nous démontrer que force fait noyau, pour nous démontrer international là, nous comprenons ce qu'a fait là, nous pas d'accord là, et aujourd'hui à la, nous prenons une décision nous, pour nous prendre destin nous en main, pour ça que nous décidons pour faire là. Mais aujourd'hui à la, nous pas dans l'élection, nous pas dans l'élection, nous nous arrêter, une dernière transition pour que nous décentralisions l'État, une fois dans l'international là, avec bien collectif là. We want a change for our country. Amen. 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 Before we begin, avant de commencer, nous voulons annoncer premièrement quelques dignitaires qu'il a avec nous. Malheureusement, you pas get chance pour saluer nous, but we want to recognize some of these officials who helped to make this happen. So I want to announce first of all our dignitaries. First we have Councilwoman Cassandra Timothy. And we applaud him. We have Councilwoman Pierre Frantz Charles. We have Sidlo. Amen. Tout ça possible à cause yo campé bon côté. They stood to make this happen. We could not do this by ourselves. So nous voulons dire yo merci, yo grand remerciement pour tout moun sa yo qui était capable d'aider nous faire marche ça possible. Et nous voulons dire merci à vous-même qui êtes sorti. À nous battre tête, nous applaudissements. Come on, give your help, tap yourself, clap yourself for being here. And to everyone online, tout le monde qui est tout partout, qui attend nous, that's listening to us, for every nation, every state, welcome and thank you. Thank you for making this possible without you. Amen. Before we begin, we have our first. Nous avons le premier monde qui pourra venir sous le podium, qui pourra parler avec nous.
et c'est lui-même qui a représenté the city of North Miami. She is the vice mayor. Unfortunately, the mayor of North Miami could not be here. Magistrat North Miami pas capable la matin, hein? Mais lui voyait salutations par nous, mais lui voyait pour nous. The vice mayor of North Miami, on nous mettons ensemble pour Marine Estime Irvin. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ville North Miami. Et encore, c'est un plaisir que moi la jodia. Nous t'es obligé la jodia. Parce que si que nous remets Haïti, nous obligé demander justice pour Haïti. Justice pour Haïti. Combien d'hommes nous fatigués avec kidnapping en Haïti? Qui ça que nous ca fait? Qui ça que nous-mêmes nous ca fait pendant que nous ici là? Une des bagages que nous ca fait, c'est que nous ca relé sénateur nous avec sénateur nous pour nous dire que passer un bit bill senate 396 396 nous ca relé nous ca écrit et bill ça qui ça bill ça dit? Il dit que we must support the United States Senate Bill 396 because it requires the Department of Senate to provide an annual report to Congress to tie between criminal gangs and political economic cities in Haiti. Okay, so si que nous besoin que nous commencer détiblement pour que nous écraser gang yo, nous besoin supporter bill ça parce que nous besoin qui ça? Justice. Mais je dis à moi réellement content que nous là que nous fait comme premier pas là dans North Miami. Mais monde qui t'a une vision ça, monde qui aide nous accomplir mission ça, moi voulais que nous battons un gros bravo pour Bishop Gregory Toussaint. Dieu, c'est un monde que je connais longtemps, qui croit dans l'évangile, et moi, réellement content que lui décide pour que nous mettions bon Dieu dans l'activité ça, pour que nous cherchions un changement pour Haïti. Parce que nous besoin qui ça? Justice pour Haïti. Bon, encore moi, c'est vice-magistrat Marie Estime Irvin, mais moi, pas là pour contre moi. Je ne vais pas parler parce que, parce que à cause du temps, mais moi, je voulais représenter le monde qui permet que nous ayons place à la jodia pour que nous ayons un monde pour Haïti. So, moi, je voulais relayer Councilwoman Cassandra Timothy, France Councilwoman Charles Pierre, Vanessa Joseph, our elected clerk. Ça, c'est petit Haïti qui l'a cap goumé pour Haïti. Justice pour Haïti. Justice pour Haïti. Sauf pour Haïti. Sauf pour Haïti. Justice pour Haïti. Justice pour Haïti. Nous remenons, continuer à prier pour Haïti et puis les sénateurs nous yo. Les sénateurs yo et dit yo pour yo passer Senate Bill 396. La petite pas mais son pas qui a aidé pour craser et kidnapping non, pour craser Kadeja. Pour craser kidnapping non, pour craser tout bagage ça yo. Nous besoin ça. Encore avant d'aller, justice, sauf justice. Nous dis merci à vice magistrat Marie Estime Irvin pour mon parole ça yo. Roupi Video Production Services paraît pour le bord 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement.
3 maîtres de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autres festivités. 4 la remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian, Rupi Video Productions, Caboy, un service 4x4 qui pape la gonne en route. 973-517-6308 ou bien 954-729-2214. Prix abordable, la caméra au féminin, image et sonorisation au pluriel. C'est dans la campagne, les amis téléspectateurs, avec ambiance culturelle pour journée jeudi. Et bien, nous avons cassé rendez-vous semaine prochaine pour une plus belle émission. Comme elle doit entrer. Until next time. Production Television, un média communautaire et commercial. Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, causer santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Rupi Production Television Network.